Bonjour tout le monde, c'est CC. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous en tout cas. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo motivation ménage, organisation et cuisine. Alors, donc la motivation ménage, on va nettoyer la cuisine tout entière, on va nettoyer les toilettes. Ensuite, on va organiser dans l'organisation, ça va être le rangement de quelques courses que j'avais fait, c'est de les ranger dans le frigo. Et ensuite, pour la cuisine, on va cuisiner pour midi. Donc, comme vous savez, je fais vraiment un effort le soir de faire ma vaisselle. Même si la cuisine n'est pas nettoyée, mais la vaisselle, elle est faite. Je fais vraiment, vraiment cet effort. Je tiens vraiment à cette routine-là. Donc, ce matin, je n'ai pas énormément de vaisselle. J'ai quelques vaisselles à faire. Et ensuite, je vais vider le lave-vaisselle. Parce que la lave-vaisselle avait été lancée le soir. Donc, je l'avais programmé tard dans la nuit pour que je le vide le matin, tout simplement. J'ai remarqué que vous êtes nombreuses à vous abonner. Je vous dis vraiment merci. Pour celles qui ne me connaissent pas vraiment, moi, c'est CC. Je suis maman de 5 enfants. Je viens d'avoir mon 5e qui est encore tout petit. Et dans cette chaîne, vous allez trouver beaucoup de motivation ménage, de recettes, de retours de courses, de hauls, de bons plans. En tout cas, je partage ma vie de maman tout simplement. Donc, si ce genre de vidéo t'intéresse, tu es sur la bonne chaîne. Alors, donc là, j'ai rangé tout ce qu'il y avait à ranger. J'ai nettoyé les plans de travail. Je vais passer à la petite vaisselle que j'avais, comme je vous ai dit, à faire ce matin. Je vais les laver. Ensuite, je vais essuyer parce que je n'ai pas trop envie d'attendre que ça s'égoutte. Je vais essuyer directement. Et je vais les ranger à leur place respective. Une fois que la vaisselle est nettoyée et rangée, là, je vais venir nettoyer l'évier. Je vais utiliser The Pink Stuff, la crème à recurer. Je vais en mettre partout. Et ensuite, je vais venir frotter partout. Et ensuite, je vais rincer. Après avoir fini de rincer, je vais essuyer avec un chiffon microfibre. Franchement, je trouve que c'est très important d'essuyer son évier avec un microfibre, tout simplement. Parce que c'est un nid à microbes. Vraiment, les microbes, ça se développe très vite au niveau de l'évier. Donc, comme je vous avais dit, j'avais de la vaisselle à vider. Donc, je vide le lave-vaisselle et je vais ranger parce que la vaisselle, elle est déjà séchée. Je vais les ranger tranquillement. Et là, je vais passer au nettoyage du sol. Je vais aspirer le sol de partout. Et ensuite, je vais passer à la serpillière. Pour la serpillière, je vais utiliser le Swiffer parce que vous savez que j'aime beaucoup cette serpillière. Elle est très rapide et elle est légère. Ensuite, pour le rangement, je vous ai dit que j'avais des courses que j'avais pas rangées du tout. Donc, je vais le ranger avec vous. J'avais acheté des bacs chez Action. Et ben, ça fait déjà un bon moment. Donc, je vais faire juste du rangement de frigo très vite fait. Et bien fait. Une fois que le frigo est rangé, on va passer aux toilettes. Alors, je vais utiliser mon Airpick, hein, comme d'habitude, parce que je vous avais dit, j'avais eu son promo. Donc, j'avais 4 bouteilles, je vais les finir avant de racheter autre chose. Donc, je vais en mettre partout. Et ensuite, pour nettoyer la cuvette et tout ça, j'ai utilisé le produit de chez Lidl au vinaigre. Après avoir nettoyé la cuvette et tout ça, je vais venir aspirer les toilettes. Donc, j'aspire bien. Et ensuite, je vais passer la serpillière. La serpillière, j'utilise toujours le Swiffer pour aujourd'hui. Et ensuite, pour finir, je vais venir désinfecter avec le produit Lysol. Je vais désinfecter la cuvette. Et ensuite, je vais désinfecter également aussi les portes.
Une fois que le ménage est fait, en général, le matin, j'ai pas des gros ménages à faire, à part dans les chambres des fois, mais la cuisine, j'ai souvent pas de gros ménage à faire les matins. En semaine, en tout cas, j'ai pas grand chose à faire les matins dans la cuisine. Donc là, je vais passer à la préparation du repas. Ça sera des cuisses de poulet rôties. Donc là, je vais préparer ma marinade. J'ai coupé de l'ail, j'ai coupé de l'oignon en très fines lamelles parce que j'avais tout simplement pas envie de sortir mon grand robot. Donc ensuite, je vais rajouter des épices lyophilisées, donc tout ce qui est poivre, cumin, paprika, tout ça. Vous avez remarqué, j'aime bien de la nourriture bien relevée. Je vais rajouter aussi de la moutarde. J'aime bien quand je fais du poulet rôti de rajouter de la moutarde. Là, je vais mettre aussi 2 cuillères d'huile, à peu près 2 à 3 cuillères d'huile. Je vais bien mélanger, bien mélanger ma marinade. Je rajoute un peu de sel déjà et du poivre moulu. Je remélange encore très bien et je vais passer au poulet. Pour laver le poulet, j'utilise du citron. Donc là, j'avais du citron en fruits et j'ai rajouté quand même du citron en liquide qu'on achète en grande surface tout fait. Là, je vais entailler mon poulet afin de faire bien rentrer les assaisonnements à l'intérieur pour que chaque bouchée soit bien assaisonnée. Donc là, je nettoie le poulet, mais vraiment au maximum que je peux nettoyer. Je vais les nettoyer en deux phases. La première phase, donc je vais laver à l'eau citronnée, je vais rincer et je vais relaver encore avec de l'eau citronnée. Là, mon poulet est lavé, je vais venir mettre ma marinade. Alors là, c'est le plus important. Je vais bien étaler, mais vraiment bien étaler, bien badigeonner mes cuisses de poulet de marinade. Je ne rate pas un morceau, un carré de peau. J'assaisonne vraiment bien, je mets partout. Et ensuite, je vais venir filmer et laisser poser la marinade avec le poulet. Je vais laisser poser afin que la marinade pénètre très bien dans la chair. Je laisse poser. Et quelques heures plus tard, je vais venir mettre mon poulet dans le plat de four pour l'enfourner. Alors pour vous, ça va être quelques secondes, mais pour moi, ça a duré 2 heures de marinade. Afin de bien pénétrer, des fois, je laisse même dormir la marinade. Franchement, pour que la pénétration soit vraiment. Donc là, j'arrange bien mon papier sulfurisé que j'achète chez Action, que j'aime beaucoup, qui est un bon rapport qualité-prix. Ensuite, je vais venir enfourner mon poulet tranquillement. Et là, tada! Voilà la couleur. C'était super bon. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. À bientôt!